Cette semaine, l'équipe d'Au 19e fait un arrêt au club de golf de La Chute, où un complexe de 36 trous attend les amateurs. Pour en parler, Benjamin Pinchot, qui est le directeur général, bienvenue à l'émission Au 19e. Merci beaucoup, bienvenue à être ici. Benjamin, il y a 36 trous ici, parcours oui. 1, parcours 2. Est-ce oui. que tu peux nous parler du parcours 1 d'abord? Parcours 1 est un terrain de golf presque centenaire. A été dessiné en 1923 par Stanley Thompson, d'ailleurs qui est un architecte quand même fameux au Canada. Un terrain qui est très mature, a beaucoup de relief naturel, des allées qui sont très larges, donc la facilité de jeu permet un temps de jeu qui est assez vite et efficace. C'est un terrain qui est très populaire, qui est multigénérationnel. Un terrain que nous essayons d'ailleurs de vraiment ramener à une qualité exceptionnelle pour le futur. Pour ça, il faut évidemment couper des arbres, pour couper même ou abaisser ou tailler des arbres en fonction du jeu des amateurs. Absolument. Donc, est-ce que vous avez fait la même chose sur le parcours numéro 2? En fait, parcours numéro 1, nous avons déjà coupé autour de 150 arbres. Et parcours 2, nous sommes un petit peu plus chanceux parce qu'il y a beaucoup moins d'arbres qui sont situés près du green. Donc, au niveau d'enlever les arbres afin d'améliorer l'agronomie du terrain, les travaux sont moins nécessaires. Maintenant, la gestion du club est assurée oui. par l'équipe Les Sommets. Oui. Qu'est-ce que ça change ici pour le club? Ah, ça apporte beaucoup d'énergie, ça apporte beaucoup d'intérêt. C'est sûr que les Sommets de la Vallée, c'est une grande compagnie avec beaucoup de clients, 1800 employés environ. Donc, pour eux, c'est quelque chose de nouveau. Ça a amené vraiment une nouvelle énergie ici. Pour revenir aux deux terrains de golf, oui. vous voulez vraiment les ramener comme ils étaient destinés à l'origine? Oui, on essaie beaucoup. Nous allons instaurer des endroits naturels. Nous aimerions vraiment sortir le relief du terrain. Nous essayons vraiment à mettre un effort sur la qualité du parcours. Comme tout le monde le sait, le club de golf La Chute est un très beau terrain de golf, bien dessiné, que le monde aime jouer. Et nous voulons juste améliorer la qualité de jeu pour nos clients. Qu'est-ce qui a dû être fait vraiment pour remettre le club en bon état? Nous avons fait plusieurs nouveaux embauches pour le terrain de golf. Donc, un nouveau surintendant et un nouveau surintendant surveillant, ou conseiller, comme on pourrait dire. Puis nous avons fait des investissements cette année au niveau des voiturettes. Et d'ailleurs, encore plus important, c'est notre nouvelle flotte de machinerie sur l'entretien terrain. Nous avons fait des investissements majeurs sur de la machinerie qui est neuve, qui est très avancée au niveau technologique. Avec la réouverture du club de golf La Chute, il y a 75 emplois qui ont été conservés. Donc, pour moi, à un niveau local, je suis très fier d'avoir été capable de garder le golf ouvert, donner des emplois, et non seulement ça, mais que le golf a un impact économique direct dans notre village, dans notre petite ville de La Chute. Donc, avec 50 à 55 000 rondes de golf, il y a du trafic, il y a du volume, et tous les petits commerces autour du golf en bénéficient. Bien, c'est tant mieux. Puis on invite les gens vraiment à aller voir le nouveau, parce qu'on peut l'appeler comme ça, le nouveau oui. La Chute. Oui, on peut essayer, on espère. Le nouveau vieux club de golf La Chute. Parfait. Merci ouais. beaucoup, Benjamin. Merci beaucoup.